savez déjà, vous pouvez la l'université russe de l'amitié des peuples. Так что вы сами знаете, вам известно, что этот университет называется Российским университетом дружбы народов. C'est pour dire qu'il n'y aura pas plus grand podium. Но хотя бы место не очень большое. Il n'y a pas plus grand podium dans toute la Russie, il n'y a pas plus meilleur endroit dans toute la Russie. Так что в России нет более подходящее место, où on peut célébrer cette occasion. Где мы можем праздновать этот праздник. Où on peut montrer au monde notre joie d'être libre. Где мы можем показать миру наш счастье для освобождения. Sinon que devant plus de 150 autres nations. Перед более 150 стран. Alors c'est pourquoi nous allons sans plus tarder. Так что мы будем называть. Sans plus tarder, nous allons inviter sur cette scène. Нашего артиста. Пакани нашего артиста. Nous allons inviter sur cette scène le représentant. Мы будем пригласить на сцену представителя. Des autorités de cette université. Этого университета. En l'occurrence, le prorecteur aux affaires étudiantines. Господа проректора по работе со студентами. Александр Дмитриевич Гладыш. Александр Дмитриевич. Спасибо большое. Перед вами выступал президент ассоциации африканских студентов Российского университета дружбы народа, наш уважаемый студент Эрнст. Уважаемый господин посол, уважаемые дипломаты, уважаемые гости, мы действительно... Пожалуйста. Excellence, monsieur le représentant des membres des représentations diplomatiques, excellence, chers invités. Я приветствую вас от имени нашего ректора Филиппова Владимира Михайловича. Je vous salue au nom de notre recteur Vladimir Mikhailovich Filipov. И хочу сказать, и хочу поддержать мысль, которую высказал президент Ассоциации африканских студентов, что это самое лучшее место в Российской Федерации для проведения таких праздников. Et je voudrais également joindre le président des étudiants africains dans ses propos en disant que ce lieu était le lieu le plus désigné pour la célébration de tels événements. Мы действительно рассматриваем этот день, 25 мая, как день освобождения Африки. Nous regardons en effet cette date, le 25 mai, comme la date de la libération de l'Afrique. Хочу сказать, что этому историческому событию, которое началось в 60-е годы освобождением стран Африки от колониализма. Je voudrais dire que ça c'est un fait historique qui a commencé pendant les années 60, la libération des pays africains du colonialisme. Это был один из факторов создания Российского университета дружбы народов. Ça a été l'un des facteurs de la création de cette université, l'Université russe de l'Amitié des peuples. Основная задача университета, который был создан в 60-м году прошлого века. L'un des objectifs de la création de cette université depuis le siècle dernier. Подготовка специалистов для молодых освободившихся стран. Préparer les spécialistes pour ces nouveaux états qui viennent de naître. И мы сохраняем эту традицию. Et nous sauvegardons cette tradition. Сегодня у нас учатся более 1000 африканских студентов. Aujourd'hui, nous avons dans cette université plus de 1000 étudiants africains qui étudient. Они хорошо учатся. Ils étudient très bien. Они очень активны, динамичны. Ils sont très actifs et dynamiques. И мы уверены, что они внесут выдающийся вклад в развитие своих стран. Et nous pensons qu'ils auront un apport majeur dans le développement de leurs différents pays. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci. Donc je disais merci à Alexandre Dmitriyevich. Спасибо вам большое. Et nous allons inviter également, sans plus tarder, sur cette scène.
И мы тоже пригласим на эту стену. Son Excellence, Monsieur Mohamed Keïta. Посольство. L'ambassadeur de la République de Guinée en Fédération de Russie. Посольство Гвинеи Республики в Российской Федерации. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les ambassadrices, Monsieur le vice-recteur de l'Université russe de l'Amitié des Peuples, Mesdames, Messieurs les diplomates, chères étudiantes, chers étudiants et membres de l'Amitié. Ваше превосходительство, дамы и господа послы, супруги послов, заместители ректора, преподаватели, дамы и господа дипломаты, дорогие студенты и студентки, любезные гости. En ma qualité d'ambassadeur du pays qui assume la présidence en exercice de l'Union africaine, je vous remercie de venir aussi nombreux à cette soirée commémorative. В качестве посла страны, который в настоящее время выполняет функции президента Африканского союза, благодарю вас за присутствие на этом торжественном вечере. Il s'agit de la célébration de la date historique qui restera éternellement gravée dans l'histoire collective du continent africain, la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Речь идет о создании исторической, оправданной исторической даты, которая будет навечно вписана в коллективную историю Африканского союза, Африканского континента, создание Организации Африканского союза. Notre continent a connu des moments extrêmement difficiles, de la colonisation à l'esclavage, en passant par le commerce triangulaire des Noirs. Les Africains ont connu tout ce qu'un homme peut entreprendre de pire contre son prochain. Ces faits ont vidé l'Afrique de ses potentiels humains et matériels, l'exportation massive de sa population et le pillage systématique de ses richesses, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui crime contre l'humanité. Наш континент пережил чрезвычайно тяжелые времена, от колониализма к рабству путем трехсторонней торговли людьми. Африканцы на себе испытали все самое худшее, что может сделать человек в отношении своего ближнего. Такие действия, как массовый вывоз населения, систематическое разграбление богатств континента, опустошили материальный и человеческий потенциал Африки. Сегодня это можно назвать одним словом – преступление против человечества. Après avoir participé à des guerres qui n'étaient pas siennes et au cours desquelles elle a perdu une bonne partie de ses enfants, l'Afrique a pris conscience et a décidé de se battre pour se défaire du joug colonial. Si ce combat a été une solution politique pour certains pays, il a fallu pour certains Africains de se battre les armes en main pour recouvrer leur souveraineté. Участвуя в чужих войнах, Африка потеряла огромное количество своих детей и приняла осознанное решение бороться против колониального ига. Эта борьба была политическим решением некоторых стран, и африканцы вынуждены были взять оружие в свои руки, чтобы вернуть свою независимость. C'est le lieu de dire ici merci à tous ceux qui ont été de notre côté pendant ce moment difficile. В этом зале я выражаю благодарность всем, кто был с нами в эти трудные времена. Il est de cela l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ainsi que la Fédération de Russie qui s'était impliquée politiquement et militairement dans la lutte de libération du continent africain. В первую очередь речь идет о Союзе Советских Социалистических Республик, затем Российской Федерации, которая политическим и военным путем включилась в борьбу за освобождение африканского континента. La création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 fut une étape importante dans l'émancipation de notre continent. C'était la première organisation politique panafricaine pour faire face aux multiplications suivies par cette longue période de domination coloniale. Создание Организации Африканского Единства 25 мая 1963 года явилось важным этапом эмансипации нашего континента. Это была первая политическая панафриканская организация, которая призвана решать многочисленные вопросы, накопившиеся за долгий период колониального доминирования. Mais compte tenu d'importants changements intervenus dans le monde, l'Afrique a voulu se doter d'une nouvelle organisation politique qui réponde au nouvel ordre mondial. L'Union africaine est une organisation politique d'États africains créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration du 6 du 9 septembre 1999.
Учитывая серьезные изменения, происходящие в мире, Африка приняла решение о создании политической организации, способной отвечать на вызовы нового экономического порядка. Африканский союз – это организация африканских государств, созданная в 2002 году в Дурбане, Южная Африка, в соответствии с декларацией от 9 сентября 1999 года, принятой в ливийском городе Сирт. Elle s'est dotée de tous les organes nécessaires pour un développement harmonieux du continent et l'insoutien des régimes démocratiques qui sont désormais l'expression de la volonté des peuples. Эта организация имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для гармоничного развития континента, поддерживая демократические режимы, которые выражают волю народа. Désormais, dans les prises de décision au niveau planétaire, on ne peut plus ne pas compter avec l'Afrique. Отныне, принимая решения на уровне планеты, невозможно не считаться с Африкой. Dans ce discours d'Abidjan et Paris, le président négociste de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, a exprimé sans l'ombre d'un doute que l'Afrique est devenue majeure et doit faire face à ses propres défis. Ces défis de développement économique et social, car tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est le continent d'avenir avec ses immenses ressources humaines, ses richesses de sol et de sous-sol. В своей речи в Абиджане и Париже президент Гвинейской республики профессор Альфа Конде, который в настоящее время является исполнительным президентом Африканского союза, выразил без тени сомнений тот факт, что Африка стала взрослой и должна противостоять вызовам как в экономическом, так и в социальном плане. Весь мир признает, что Африка – это континент будущего, обладающий огромным человеческим потенциалом и богатыми природными ресурсами. А на горизонте 2050 un quart de la population mondiale sera africaine. Et dans 35 ans, 25 personnes sur 100 seront africaines. À la même date, 40% des enfants de moins de 5 ans dans le monde entier vivront sur le continent africain. На горизонте 2050 года 1/4 населения планеты будет состоять из африканцев. А через 35 лет каждые 25 человек из 100 будут также африканцами. К этому году 40% детей младше 5 лет станут проживать на африканском континенте. La population africaine qui compte actuellement 1,2 milliard d'habitants atteindra d'ici 2100 4,2 milliards. В настоящее время африканское население насчитывает 1,2 миллиарда человек. К 2100 году оно достигнет 4,2 миллиарда человек. L'Afrique a un grand défi à relever car l'avenir de sa jeunesse demeure préoccupant, avec des milliers qui se jettent dans la mer à la recherche d'un avenir meilleur. Et la survie d'un continent demeure celle de sa jeunesse. Африка сталкивается с многочисленными вызовами, и будущее ее молодежи вызывает беспокойство в связи с тем, что тысячи молодых людей пересекают море в поисках лучшей доли. Выживание континента зависит от нашей молодежи. Pourtant, l'Afrique reste ce continent d'avenir qui garde encore une bonne partie de son immense territoire vierge et dénucléarisé. Elle peut faire l'objet d'une convoitise effrénée au détriment de ses enfants. C'est pour toutes ces raisons que l'Afrique a l'obligation de se mobiliser pour préserver un meilleur avenir pour sa jeunesse. В то же время Африка остается континентом будущего, у которого имеются колоссальные девственные территории, свободные от ядерного оружия. Африка может превратиться в объект безудержных притязаний, ущерб своему молодому поколению. Принимая во внимание все вышеприведенные доводы, Африка обязана мобилизовать все ресурсы для обеспечения счастливого будущего своей молодежи. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République de Guinée, président de l'Exercice de l'Union africaine, et au nom de l'Afrique tout entière, je vous dis grand merci. Vive l'Afrique, vive l'amitié russo-africaine et bonne soirée. Je vous remercie. Merci. И от имени всего африканского континента выражаю вам свою глубокую благодарность. Да здравствует Африка, да здравствует русско-африканская дружба. Хорошего вечера, я вас благодарю. Mesdames et messieurs, дамы и господа, pour réchauffer un peu la salle, чтобы у нас поднималось настроение, parce que l'artiste est en train de dire que la salle est trop froide. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est en Russie.
Потому что наш артист сказал, что наш зал очень холодный, он не знает, потому что это в России или что. Je lui ai dit qu'il a la chance, il est venu en mai, il n'est pas venu en janvier. А я ему сказал, что тебе повезло, что ты приехал в мае, а не в январе. Donc nous allons d'abord inviter sur cette scène Monsieur Kadou, un autre Guinéen. Так что мы будем пригласить на эту сцену мистер Кало, он тоже из Гвинеи. Qui va vous entretenir au rythme de nos barabans. On будет играть в барабане. Merci. Спасибо. Встреча. Bien. Donc je vois que la salle est déjà prête. Так что я вижу, что зал уже готов. Nous invitons donc les musiciens de Monsieur Fou de Barreau avant d'annoncer l'artiste lui-même. Мы приглашаем на сцену музыкантов Фу де Барро. Les musiciens de Fou de Barreau. Эти музыканты. Mais attendez, avant qu'ils ne sortent sur scène, j'ai une question. Ну, подождите, перед тем, они придут, у меня есть вопрос. Les Guinéens, non. Guinéens, vous ne répondez pas, ok? Guinéens, vous ne отвечаете. Je veux connaître qui peut m'entonner un peu seulement une chanson de Fou de Barreau. Я хочу узнать, если есть в зале кто-то знает хотя бы одну песню Fou de Barreau. Ah, tu prends ton passeport, hein, parce qu'il y a trop de Guinéens là. Нужно с паспортом перед тем ответить. Et il y a un cadeau surprise. И будет подарок. D'accord, la première personne à venir ici, vous savez, c'est difficile de choisir. Так что подходите. Une musique de Fou de Barreau, un autre Guinéen. Juste pour entonner. Non, attendez, sérieusement. Ok. Подходите на сцену. Non, vous allez prendre le micro, hein. Так, есть кто-то знает. Tu viens ici. Приходите на сцену, кто знает, приходите. Sérieusement, dans toute cette salle, personne ne veut entonner une musique de Fou de Barreau. D'accord. Voici une brave fille. Вот, смелая девушка. Donc, vous demandez à Fou de Barreau de s'apprêter, il va la rectifier. D'accord. Bonsoir.
Les Mariens, vous allez me répondre. On prend quoi? Il y a enfanté ou bien fils du Wali? Il y a enfanté ou bien fils du Wali? Donc, il y a quoi ça dans ce Wali? Il y a qui y allait. Il y a enfanté et fils du Wali. Et dans la sous-souski, on a dit au meilleur du monde, gabarit pas sous-souski. Voilà. Il faut chanter les malins. Il est qui il est sur moi. Super bon allée, super bon allée. Les musiciens, vous pouvez déjà venir. D'accord. Comment tu t'appelles? Bati Ouattara. Ça te dérangerait si... Avant la fin du concert, je te demandais de monter sur scène et d'avoir... Attends. Monsieur Faux de Barreau va t'apprendre à chanter sa chanson. Attends. C'est okay. D'accord. D'accord, félicitations, merci. Elle est du Mali et c'est une fille, une brave fille. Anaïs Mali, elle a autre semaine à dire. Moi, je pensais sincèrement... Bien élancé et bien élégant comme Faux de Barreau. Мальчик такая очень красиво стоит, как Faux de Barreau. Allez sortir au moins pour entonner. Non, je ne suis pas sexiste, hein. Je ne suis pas sexiste, pas du tout. D'accord. Давай переводим. И кто-то смело звучит его песню. Ou bien il y a un garçon qui doit relever le défi. Il y a quelqu'un de mal qui doit vous dire. Tu n'es pas guinéen. Non. Un garçon qui n'est pas guinéen. Ah. D'accord. En sortant, vous laissez vos filles ici, vous sortez. On va récompenser Faux de Barreau. Так что осторожно, мальчикам, когда уходите, следите за ваших девушек. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dames et господа. Je vais maintenant quitter la scène. Мы уходим с сцены. Et j'invite donc Monsieur Faux de Barreau. Merci. Et bon concert à vous. Приглашаем мистер Faux de Barreau. Встречайтесь.
Thank you.
Est-ce que ça va? Comment on dit Aris en russe? Je peux arrêter maintenant? Comment on dit ça en russe? Il n'y a pas ça en russe. Oui, parce que vous ne voulez pas que j'arrête. Ok. Hein? Ok. Let's go. On y va.
Sous la façade, sous la scène. Ah, yeah, ah. Wow, yeah, ah, ok. That's right. That's me, oh. Allons-y. Yeah.
Yoga, 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 y
Хорошо?
Окей. Видимо, что я не умею, как он. Не-не, мне продолжать не надо, ребята. Я не хочу просто спортить то, что он начинает. Окей. Давайте сразу, у нас маленькая поза. Я хочу тут пригласить на сцену одного парня. Он тоже талантливый, он умеет петь. Он также тут учится в нашем университете. С вашим аплодисменты, подпишем. Un poquito.
Oui, je crois. Bien. Merci bien, Monsieur Kalou. Nous allons prendre le micro et nous allons bientôt laisser la place à la danse. Je pense que nous sommes suffisamment régalés de musique. En attendant que Faux des Ballons nous ressortent sur cette scène, j'invite donc Papichon et Hawa. C'est bien. Alors, on continue le concert. Ah, il est fatigué, il dit que si vous ne criez pas, que lui ne sort pas. Je vous dis, pour les paroles, vous avez entendu, on vous le voit. D'accord, les musiciens viennent d'abord. Musique antida, moi je n'en sais pas. On continue le concert encore. Restez. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. Attends, qui a parlé là? Moi je n'ai rien entendu. On continue le concert? D'accord. Sans plus tarder, Monsieur Faux des Ballons, s'il vous plaît. Merci. Na quem vai querer?
Comment on est un risque que j'ai sommeil? Ousmane. Il y a la tous pas. Потому что в зале все знают. И завтра тут. И не сусая бандера. Est-ce que ça va? Oui. Toi là, tu peux me mettre un peu de moins de lumière? Ma mesure là, je vais devenir avec eux. Ok. Let's go. Thank you.
rien. Je le fais pour notre ambassadeur. L'ambassadeur des ambassadeurs. Mais l'ambassadeur. C'est le centre à couture. Qui est là pour le pays, qui est là pour l'Afrique. Aujourd'hui, cette fête qu'on est en train de fêter aujourd'hui, il s'est beaucoup battu pour vous offrir un concert gratuit. Donc cet ambassadeur mérite ce reconnaissance. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais être bref. Aujourd'hui, notre pays, nous devons en être fiers. Pourquoi aujourd'hui, cette nation d'Afrique aujourd'hui est pour responsable en service en question aujourd'hui, notre chef d'État, qu'on doit mériter un salut. Applaudissez pour le professeur. Et je dédie ce titre pour mon ambassadeur et sa chère épouse. C'est une chanson très amoureuse qui dit parle de fidélité. Et je pense que c'est mérité pour vous. Merci. Yeah.
spécial. Et nous vous caca bien d'abonner. Et nous autres, les Canadiens, les Panama, les Gama, qui est à la fois. En allant à la maison de l'Orienté. Donc aujourd'hui on avait Fouri Barreau, le roi du Zouk Mandeng, il est venu spécialement de la Guinée. C'était vraiment un sacré concert et là il faut le dire, la salle, les gens, l'enthousiasme et tout ce qu'il y avait. Donc c'était vraiment super, c'était super. Et je sais pas,
on a l'intention de le voir encore ici. Plus tard, on a l'intention de l'inviter à Miss In Guinée. Et ce concert, s'il y a quelque chose à dire dessus, c'est que c'était à l'occasion, en l'honneur ou à l'occasion, peu importe, de la journée africaine. Ce que les Russes appellent la journée de la libération africaine, le 25 mai. Et donc, il est là pour cette occasion. Le jeudi 25, il va faire un autre concert au Métropole. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a su aujourd'hui montrer toute la beauté de la musique guinéenne. Et c'était vraiment super. C'est tout ce qu'on peut dire. C'était super, c'était super. Il nous a vraiment ouf époustiflé. Merci.